bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. J'arrive au sommet du mont King. Encore caution. Je crois là, c'est l'endroit où ce que je montais tantôt. Je suis rendu là. Je suis pas mal sûr où ce qu'il y avait les beaux rochers là. Ah oui, c'est ça. Ouf. Ah oui, c'est ça. J'étais là-bas. Mais on peut pas voir. Ouais. J'irai pas loin, hein. Je m'aventurerai pas en bas là. Parce que j'ai vu que ça a l'air. De loin, mais j'ai vu que ça avait l'air. Il y en a qui escalade ça, là, mais je suis pas une escaladeuse. Non, non. Mais je pèse 100 livres, je ferais pas ça. Non, non. Il y a un beau lac là-bas. Je sais pas si je vais le faire plus clair. Ah. Ouh! Ah! J'en reviens pas qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui jusqu'à date. D'habitude, de juste avoir fait ça, là, juste la première partie, là, j'aurais démissionné, je m'aurais reviré de bord. Là, j'ai fait deux sommets en 2h30 à peu près. Puis là, il m'en reste un, puis je veux dire, d'après moi, ça ne faut pas être si pire que ça, là, parce que. Je pensais que je me rendais ici, ça m'aurait pris une heure, ça m'a pris peut-être une demi-heure, je pense, même pas. Mais si je regarde la dernière fois que j'ai fait la vidéo, à là, ça va donner le temps que ça m'a pris pour me rendre ici, de là-bas. Mais on dirait que ça va aller tellement plus loin, comme... Il me semble que j'étais là-bas et j'ai dit « Oh my God, ça doit pas être là, le Mont King, c'est trop loin. » Mais ça a l'air plus loin que c'est. Fait que là, on va descendre. Mais non, vraiment, je vais monter encore.
c'est très à pic, là. J'ai pris une photo. C'est pas vraiment voyable avec une photo, là. Mais j'ai pris la photo quand même. C'est très, très à pic. Puis, c'est ça. Fait que je vais reprendre une couple de photos. Puis, je retourne sur mon chemin. À tantôt. Bonjour, ici je veux juste vous montrer là, moi j'étais en haut là, mais c'était pas pire la vue là, mais excuse-moi bien là, mais la vue en bas à en haut, c'est même pas comparable. Je vous montre ça, je peux vous aller voir si c'est où. Je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est comme super haut là. Regarde ça, c'est tout comme un gros mur. Les gens viennent escalader ici. C'est quand le monde me demande, fais-tu l'escalade? Non. Je fais de la randonnée pédestre. Pas de l'escalade. Dans mon vidéo YouTube, j'ai assez de vidéotapé à un gars là-bas, là, et il faisait de l'escalade, là, mais je l'ai pas. Oh, il y en a un qui monte là. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si je l'accueille, je vais le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais... Il va être là. Il s'en va. Ah, là. Puis tantôt, quand j'étais en haut, il y en a un qui est arrivé. C'est comme, oh, hello! Hello there! Non, je suis pas capable de... Allez. Bon, ben, je vous laisse, mais j'arrive au Mont Condor. Ouest, je voulais savoir. Ouais. Arrivé au Mont Condor Ouest encore. Non, parce que vous pouvez pas voir comment c'est tapé quand vous là. Mais je viens d'en faire un pareil. Puis là, je sais pas comment d'autres foulages vont. Mais j'ai déjà été faire le Mont Condor Ouest. Puis j'ai rasé de feinté deux fois en montant. Puis là, j'ai dit. Ah, je vais prendre le long road, ça va être moins dur. Non. C'est parce que la dernière fois, quand je suis venu, ben, j'étais en moins en shape. Là, ça fait 2 ans, là, ça. Excusez. Puis, par l'autre bord, ça monte en zigzag. Tandis qu'ici, il n'y a pas de zigzag. C'est comme straight pipe en haut de la côte. C'est parce que vous pouvez pas voir comment c'est à pic, là. C'est parce que si vous pouvez voir, là, en haut, là. Là. Vous voyez le ciel, là? Ben, c'est comme en haut, là, je m'en vais, là. Là, je viens de faire à peu près la même chose, mais d'en bas. Là-bas. Fait que là, j'ai décidé de prendre un petit break, boire un peu d'eau. Puis, je veux vraiment dire un peu d'eau, là, parce que j'ai fait l'erreur de pas emmener assez d'eau encore. J'étais encore sur le mode...
raquette. Que tu peux amener une bouteille d'eau, tu vas être correct tout le temps. Tandis que là, ben, c'est plus mode raquette, c'est mode tank top puis skirt. Mais pas aujourd'hui, j'ai mis mes leggings aujourd'hui parce que je me disais, je m'en vais dans le nord, il va faire plus fret. Pas vraiment. Il aurait fallu que je mette mes petites skirts encore. En tout cas, je vous laisse, là. Puis je m'en vais monter ça, là, pour en finir, là. Parce que ça, il faudrait le redescendre, me rendre mon truc. Fait que, à tantôt. Oh, mouche noire. Eich. Bye bye. Je sais pourquoi ils appellent ça la trail avec la lettre F à star. C'est pas pour facile. C'est pour. Bonjour, je suis rendu au Mont Condor Sud-Ouest avec l'altitude de 440 mètres. Puis c'est mon dernier pour aujourd'hui. Je vais vous montrer le vue. Très beau. Ça fait un petit bout que j'étais arrivé, là, mais il y avait des jeunes, puis ça parlait. Puis... En tout cas, c'est pas l'énergie qui leur manque aux autres. Mais ça va leur énergie. Il est vraiment beau, il y a un beau lac. Là. J'ai tellement soif là, que j'irai en boire direct dans le lac. Il me reste peut-être encore une bouteille d'eau. J'espère que je vais arriver au chalet bientôt. Puis j'espère qu'au chalet, il va y avoir de l'eau potable. Ça a déjà arrivé à un chalet où il n'y avait pas d'eau potable. Fait que on va croiser. Ouais. C'est ça, je sais pas si vous pouvez voir là, parce qu'avec le soleil, moi je vois pas. Mon condor. 440 mètres d'altitude. Et voilà. Bon ben, salut pour la journée, je pense là, parce que je serai pas long, je vais arriver au chalet. J'ai eu une belle journée. C'était vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose de tough de même là. Vraiment fier de moi. Bye bye.